Bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on parle la découverte des histoires inspirantes, des histoires, des stratégies de communication, des, des idées qui changent le monde, qui inspirent, qui amènent les gens, vos clients par exemple, à passer à l'action, à se lancer dans des projets, à vouloir faire affaire avec vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel je suis habituellement allergique et c'est un drôle de hasard. J'en ai parlé hier en direct avec Isabelle Lefebvre, on a parlé d'argent avec Isabelle euh, et j'étais complètement en dehors de ma zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler euh, finances, entre autres, mais j'ai l'impression qu'on va parler de beaucoup plus que juste des finances, avec un entrepreneur qui est aussi magnétique que... Euh, que, que charismatique, c'est vraiment un gars que, que tu as envie d'écouter de, de, parler pendant des heures. Et là, ben, ça tombe bien, on l'a avec nous pendant justement un petit peu moins d'une heure. Et j'ai nommé Michel Villa. Salut Michel, comment vas-tu? Salut Mathieu, merci beaucoup pour euh, ce beau mot d'introduction. Tu mets la barre quand même euh, trop élevée, je trouve. Mais je sais que tu vas aller plus haut que la barre que j'ai mis trop élevée, fait que j'ai aucun stress. Écoute juste, le, ça fait ça dix fait minutes qu'on parle dans l'arrière scène avant que le, le direct commence. Puis là déjà c'était comme ah, je me dis ah ça serait tellement le fun que les gens entendent cette conversation là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet donc le, le titre de l'épisode aujourd'hui aller au-delà du savoir pour connaître du succès en finance euh, j'aimerais ça que tu nous expliques brièvement que tu nous présentes brièvement c'est qui ça Michel Villa. Écoute Michel Villa c'est un formateur boursier depuis 2015 qui s'intéresse au comportement humain à la bourse et qu'est-ce qui a amené Michel Villa à se lancer en affaire c'est que j'étais un ancien trader ce qu'on appelle arbitragiste action donc, mon mandat, Mathieu, était d'acheter et vendre des actions pour le compte de gestionnaire de portefeuille pour des caisses de retraite à Montréal. Et j'ai négocié aussi activement pour mon compte personnel. Donc, des bons coups, j'en ai fait, mais surtout des très mauvais coups. D'ailleurs, en 2014, j'ai été congédié d'une institution financière à Montréal. Et c'est là que j'ai réalisé que le savoir, c'est important. Mais ce qui me manquait, c'était le plus important c'était le savoir-être. Comment se comporter face aux fluctuations boursières. Et je me suis dit, écoute donc, au Québec, on n'en parle pas de ça, le comportement humain à la bourse. Et là, je me suis intéressé à la finance comportementale, qui est justement l'étude du comportement humain à la bourse. Et me voilà, sept ans plus tard, en direct avec toi. Très excité d'être là, merci. Bien, écoute, avec grand plaisir. Puis, euh... On se, avant, avant que le show commence, on se complimentait mutuellement sur nos décors, <rire> <rire> sur nos environnements. Euh, et tu m'as présenté le vision board de ton amoureuse qui était rien. Oui. Euh, puis là, je t'ai demandé c'est quoi les trois idées top de, du Vision Board. Puis on a commencé un peu à parler de ça. J'aimerais ça, euh, parce que tu, tu m'as parlé de... De tes, de tes cinq objectifs. Tu as, as comme une méthode, toi. Je ne sais pas, je t'ai posé la question, as tu as-tu un vision board? Tu me dis non, j'ai une méthode de cinq objectifs. J'aimerais ça un peu que tu nous, tu nous la présentes parce que je trouve que ça va, j'ai l'impression que ça va donner aussi les bases de, 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 du personnage qui est Michel Villa. Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a trois matières premières qui sont vraiment rares et qu'on doit faire attention. C'est l'attention, notre temps et l'énergie. OK donc tout le monde veut s'arracher ces trois éléments-là. Est-ce que tu dois faire Tu dois protéger l'attention, ton temps, ton énergie. Est-ce que ça prend Ça prend des objectifs. Et si quelqu'un arrive qui te propose de quoi qui est à l'extérieur de ton corps et de ça, tu dois dire non. Donc j'ai cinq grands objectifs par année qui s'appellent Big Five. Et évidemment, tout dépendamment des années, je vais avoir mettons un objectif sportif. Comme l'année passée, c'était de courir 47 km mon 47 ans. Je vais un objectif de développement personnel. Comme cette année, je continue le programme pour devenir coach en PNL. Et un autre objectif, c'est de passer plus de temps avec ma conjointe. Donc, tu le sais, Mathieu, en tant qu'entrepreneur, on travaille fort. Donc, on essaie une fois par trimestre d'avoir un week-end de faire une sortie à l'extérieur de Montréal. Puis, un autre objectif, ça serait, mettons, la santé. J'ai découvert récemment le jeûne intermittent, commencé à me familiariser par rapport à ça. Donc, 4 cinq objectifs complémentaires qui t'amènent à la même voie. Puis en ayant ça, justement, ça permet d'avoir l'attention aux bonnes places pour hmm. l'objectif de réduire des distractions. C'est intéressant, on a un point en commun, ça fait, euh, ça fait un bon 4-5 mois que je fais le jeûne intermittent. Ouais. Ma, ma façon de le faire, c'est que j'ai une fenêtre entre midi et 5. Je mange entre midi okay. et 5. Puis moi, mon, mon, un de mes, mes, mes grands problèmes alimentaires longtemps, toute ma vie, ça a été que je grignotais le soir. J'aimais ouais. ça manger le soir, mais là, je dormais mal, euh, je prenais du poids, etc. Puis ça, les deux premiers mois ont été extrêmement difficiles. Euh, j'ai triché à plusieurs reprises. Puis là, depuis, de, depuis là maintenant, depuis, je ne sais pas, peut-être deux mois, j'ai plus faim le soir. Ça, ça, ça fonctionne super bien. Je je mange deux repas principalement. Là, des fois, je vais grignoter un petit peu entre, la, entre midi et 5, mais habituellement, je mange à midi, je mange à, à 5, puis, euh, puis je vais, je vais mieux, j'ai plus d'énergie, je dors mieux. C'est incroyable comment ça fait un, un, un beau changement. Écoute, Mathieu, pour ceux et qui savent pas, c'est quoi? C'est de créer un espace au minimum de 12 heures entre deux prises de repas. Donc, hum. par exemple, si tu manges à 8 heures le soir, tu peux prendre du thé, un verre d'eau ou un café noir jusqu'au lendemain matin, 8 heures, mais tu ne peux pas manger pendant une période de 12 heures. Puis pour faciliter ça, évidemment, ça dépend de ce que tu manges avant. C'est sûr que si tu prends beaucoup de sucre, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à tenir le coup parce que tu te lèves le lendemain et tu as faim. Tu sais, cette espèce de, de cri. J'ai faim, c'est souvent à cause que tu t'es bourré de sucre ou de glucides la veille. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais j'essaie d'utiliser quelques trucs pour rendre ça beaucoup plus facile. Puis évidemment... Mon nutritionniste m'a parlé de marcher une demi-heure par jour à jeun le matin, mmh. aide beaucoup à baisser la glycémie c'est très bon aussi pour ton corps. Très cool, très intéressant. Écoute, je savais qu'on allait sortir du sujet, <laughs> euh, puis là, ben, ça faisait ça, ça, fait ça six, huit minutes que, que, que le show est commencé. Puis, mais j'aimerais ça euh, que tu nous expliques un peu, euh, c'est quoi aller au-delà du savoir, ça veut dire quoi pour toi, aller au-delà du savoir pour connaître du succès en finance? Commencez par décortiquer même ce titre-là. Ben, écoute, juste à faire un petit là, retour là, sur mon parcours académique, moi j'ai 47 ans. Puis quand j'étais plus jeune, le savoir, c'était vraiment là, priorisé dans notre société. Puis dans le temps, c'était important d'avoir des études postsecondaires, d'aller au Cégep l'université. Pour moi, là, qui a grandi dans une famille avec deux parents médecins, il fallait que j'aille à l'université. Donc, la connaissance, c'était vraiment garant du succès. Donc, j'ai fait mon bac en administration des affaires, options, finances. J'ai fait un MBA management. Puis après ça, j'ai fait un paquet d'accréditations professionnelles reconnues en finance comme le CPA, CGA, le CFA, le CMT. Bref, j'en ai fait beaucoup parce qu'on me disait que le savoir, c'est la clé de la réussite en finance. Donc, la journée où ce tu arrives justement pour faire l'investissement boursier, tu apprends que le savoir, ça te permet de rentrer à un endroit, mais ça ne t'assure pas le succès. Pourquoi? Parce que le marché boursier, lui, il est incertain, aléatoire et ambigu. Ça veut dire que des nouvelles du champ gauche, il va en avoir. Des événements comme la crise russo-ukrainienne, la crise sanitaire, les attentats du 1 septembre, ça arrive. Et ça, ce qui arrive, c'est que les relations de cause -effet. à effet, c'est-à-dire si A arrive, B va se produire, C'est pas ça la réalité dans le marché boursier. Il faut penser en termes de probabilité, dans le sens que tu vas avoir souvent tort, puis il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Donc, le savoir, plus que tu en as, plus que tu es ancré dans tes positions, puis moins tu es flexible mentalement, et plus que tu es sujet à faire des erreurs de jugement. Et ce que ça prend, ça prend de l'humilité intellectuelle, et ça, j'en je n'en avais pas, Mathieu. Donc, pour aller au-delà du savoir, il faut comprendre que pour danser avec la bourse, tu dois t'ajuster à ton partenaire qui est incertain, aléatoire, ambigu, et tu dois penser en termes de probabilité. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu dois composer avec tes variations émotionnelles, d'où l'importance du savoir-être. J'aimerais ça, oui. ça que tu nous parles, jeu, 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 avant que, que, que tu ailles plus loin dans, dans ton histoire, la, tu avais une certaine rigidité, si oui, je comprends bien. Comment tu as fait pour faire pour prendre conscience que tu avais cette rigidité-là, puis ensuite pour euh, la défaire, la déconstruire, la remplacer par autre chose? Mais souvent, au début, tu es inconscient tu es incompétent. C'est dans le sens que si, mettons, tu n'as jamais conduit de ta vie, tu dis « Ah, ça a l'air facile parce que tout le monde le fait », mais tu ne sais pas que tu es incompétent jusque le jour où tu essaies de monter une côte manuelle. Tu n'as jamais fait ça. Donc, le problème, c'est que moi, je pensais que j'étais compétent, mais je ne l'étais pas parce que je n'avais pas la composante gestion des émotions. Donc, souvent, on veut dire aux gens « Faites attention, va t'éduquer, etc. » Mais il n'y a rien de mieux que de manger une bonne claque sur la gueule pour le réaliser. Puis malheureusement, tu ne veux pas ça parce que ça peut être traumatisant. Donc moi, je l'ai appris à la dure. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser les gens à l'importance de tenir compte de la gestion des émotions dans ta prise de décision. Mm -hmm. En même temps, la douleur de vivre quelque chose de dur et de, 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 de cruel des fois ou de, de triste ou de, va, va, va en créer une, un apprentissage et une leçon de façon quasiment à d'une manière plus efficace quasiment que n'importe quel autre type de... Parce qu'on peut apprendre théoriquement ce que tu nous expliques, mais on peut garder cette arrogance-là malgré tout de dire, ouais, ok, ça fait du sens, mais <laughs> tant que je ne me plante pas, tant que je ne connais pas mon échec, puis que j'ai pas... C'est difficile d'intégrer, je trouve, les, les leçons aussi bien. Qu'est-ce que tu qu que en penses? Tu as tout à fait raison, mais dans un premier temps, je te dirais qu'on apprend tout le temps. Tu sais, on apprend toujours dans les phrases qu'on dit... Euh... J'ai gagné ou euh, j'ai appris. Tu sais, comme par exemple, que le seul moment que tu vas apprendre, c'est si tu perds. C'est pas vrai. Tu vas apprendre quand tu perds et tu apprends aussi quand tu gagnes. Et tu dois comprendre qu'est-ce qui t'a amené à gagner aussi. Parce que tu as peut-être gagné justement à cause que tu as été chanceux ou tu as peut-être perdu parce que tu as été mal chanceux. Donc, il faut se poser la question au niveau du processus. Donc, ce qui arrive, c'est très confrontant quand tu es à terre de tirer des leçons. Puis oui, c'est des belles phrases qu'on se dit, mais au final, c'est dur à tabarouette. Parce qu'une perte émotionnelle, c'est deux fois plus douloureux qu'un gain émotionnel. Donc, gagner 100 c'est le fun, mais perdre 100$, c'est plate en tabarouette. Donc, ça soit une <laughs> séparation, un congédiement, une fille ou un gars qui dit non dans un bar, c'est un refus et c'est l'ego qui est touché directement. Mais, mais il faut être très lucide pour réussir à tirer les bonnes leçons d'un succès. Parce ouais. que ça peut être facile d'être aveuglé. Là, tu as, as gagné le 100$. Ça peut être facile d'être aveuglé. C'est parce, parce que je suis charmant, mettons. Peu importe. Puis la personne, en fait, en, ré en réalité, c'est parce qu'elle s'est sentie écoutée. Euh, qu'elle t'a donné sa business. Tu sais. euh, c'est facile d'être de manquer de lucidité. Puis euh, je, je serais curieux de savoir. Euh, qu qui, euh, quelles sont les bonnes circonstances pour réussir à avoir cette lucidité-là, pour réussir à être franc et à être euh, humble dans ce qu'on vit, autant un échec qu'une qu qu un, qu réussite, pour réussir à en tirer les, les bonnes leçons? Quels sont les bons facteurs d'apprentissage selon toi? Mais dans un premier temps, c'est de reconnaître le biais qu'on appelle d'autocomplaisance. Est-ce que tu connais ça, Mathieu? Non, mais ça me parle. Ça parle, c'est que quand tu gagnes quelque chose.. Les raisons, c'est à cause de toi. Mm. Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas de ton bord, que tu n'as pas de succès, mm. c'est la faute. C'est la faute aux des autres. autres. Okay? Aux autres ou à un élément extérieur. Oui, la température, ça. Dieu, peu importe. Ouais. Et ça, c'est la même chose quand quelqu'un que tu ne connais pas qui a du succès, tu vas lui dire Ah, cette personne-là, elle a été chanceuse. Mm. OK? Mais s'il arrive quelque chose de mal, c'est l'inverse, tu vas lui dire c'est de sa faute. Okay. Donc dans un premier temps, c'est de reconnaître qu'on vit là-dedans. Dans un deuxième temps, c'est de comprendre que le facteur chance est très important dans la vie. Donc oui, c'est bon de dire ah, cette personne-là, il est parti de A à Z, puis il a connu du succès. Oui, mais il est né dans une bonne époque. Il est né dans un bon pays. y a tu de l'argent de ses parents qui a été donné. y a tu quelqu'un au passage qui a rendu service en le mettant en contact avec quelqu'un. Puis oui, dans la vie, tu peux faire ta chance. Oui, tu peux influencer, mais tu l'as mentionné tantôt, il y a la portion aussi génétique qu'on s'est parlé avant notre rencontre. Le facteur génétique joue pour beaucoup aussi. Comment tu es prédisposé, mettons, pour entrer en relation avec les gens? Donc, la chance, ça fait partie de l'équation. Je donne toujours l'exemple de Bill Gates. Oui, Bill Gates, c'est un grand, là, mais lui était à une école où on avait la chance d'avoir un ordinateur à l'époque. Donc, c'est vrai qu'il y avait des collègues d'études qui auraient pu aussi lancer Microsoft. Ça, j'enlève à rien. Mais ça demeure qu'il y a quand même un facteur chance dans son succès. Puis tout grand entrepreneur va reconnaître ça aussi. Il n'y a rien qui se fait tout seul de A à Z. Et dès que tu comprends ça, tu es capable de comprendre que, OK, j'ai été partiellement chanceux, mais j'ai contribué au succès. Puis d'un autre côté, tu peux avoir fait tout ce que Bill Gates a fait Elon Musk, Jeff Bezos, t'as pas avoir suivi toutes les formations en ligne des meilleurs formateurs au Québec, il n'y a rien qui garantit que tu vas avoir du succès. Et le problème, Mathieu, c'est le biais de survivants. On entend parler de qui? Seulement des histoires à succès. Puis là, on se dit après coup, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces personnes-là pour connaître du succès? Mais combien de personnes qui font la même chose que ces gens-là puis qui n'ont pas de succès? Il y en a plusieurs. Mmh, mmh. Donc, il y a des éléments, des fois, qu'on ne se souvient pas, qui ont été des éléments déclencheurs. Oui, c'est sûr que ça résonne chez moi particulièrement en ce moment. Je, je vais afficher les commentaires d'Émilie Hébert euh, Poulain, euh, qui, qui parlent bon, du biais acteur-observateur. Et ensuite, qui, qui, qui dit, qui rajoute, « Je suis entièrement d'accord, la chance et le privilège font assurément partie de l'équation. Ouais. » Puis, un peu comme tu le disais vers la fin, puis c'est là où ça résonne particulièrement en ce moment chez moi, euh, la personnalité va, va aussi beaucoup jouer. Euh, J'en ai parlé dans les dernières semaines sur mon, sur mon podcast. Euh, J'assume davantage que je reste encore profondément une introvertie, même si j'ai appris à socialiser, puis à, à m'extrovertir, disons-le comme ça. Puis il y a quelques années, je disais, ah, je suis rendu extraverti maintenant. <laughs> Mais souvent, quand vient le temps de socialiser, de risoter, le petit Mathieu inc inc inconfortable, qui, qui a longtemps voulu être invisible, puis qu qui ne voulait pas qu'on lui adresse la parole, il est encore là un petit peu. Fait que dans les interactions avec les autres, des fois, je suis maladroit, je suis. Euh, l'humour n'est pas toujours là, ou l'humour est mal compris, des fois, puis tout ça. Puis même si je veux beaucoup socialiser, puis j'aime réseauter, j'aime être entouré des gens, puis je crois beaucoup dans la force de la communauté, je co-organise un, un LinkedIn local à Laval d'ailleurs, euh, il reste que, il y a ce côté-là qui est toujours un petit peu maladroit, puis avec lequel j'essaye d'apprendre et, et de, de raffiner mon coffre à outils, mais il reste que c'est là, puis c'est correct que ce soit là. T'sais. Fait que ça, ça change la donne de quelqu'un qui va, par exemple, supposons que j'essaie d'imiter. De, de, ou de copier le parcours d'un entrepreneur qui, euh, qui, qui a beaucoup d'entre-gens, puis euh, qui a réussi avec sa méthode. Ça, la, je le sais d'avance que si j'essaie d'appliquer cette méthode-là, va, il va y avoir un facteur chance, mais il y a aussi beaucoup un facteur personnalité qui fait en sorte que ce n'est pas si évident pour tout le monde d'appliquer ça tu je te, je te fais d'accord est-ce que tu connais ça euh, Vanessa Van Edwards est-ce que tu connais Vanessa Van Edwards Vanessa Van Edwards j'aime beaucoup son nom en tout cas ça, <laughs> il roule bien dans la bouche Vanessa Van Edwards je vais captivate c'est ça oui ça c'est son livre captivate mais elle a aussi uh, The science of people puis elle ce qu'elle a dit dans le fond c'est qu'elle a défini le charisme ou le charisme ça dépendamment comment tu le dis donc souvent quand on demande à quelqu'un de moi quelqu'un qui est charismatique tu as toujours les mêmes noms qui viennent en tête. Tu mmh. vois, mettons, Pierre-Yves McSween, tu vas avoir Véro Cloutier, Barack Obama. Tu vas avoir ce genre de gens-là qui ont quand même des belles personnalités. Donc, on pense à tort que d'être extroverti, ça te donne assurément du charisme. Puis d'un autre côté, si tu es introverti, tu n'as pas de charisme. Et ça, c'est tout à fait faux. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de comprendre que le charisme, c'est un équilibre entre compétent, puis d'être chaleureux. Mmh. Donc, ça, c'est important. Puis être chaleureux, tu peux l'être même si tu es introverti. Mmh. Okay? Donc, pour avoir du succès, mettons, en affaires, tu n'as pas besoin d'être la personne la plus explosive au niveau des communications mmh. interpersonnelles. Si ton niveau de compétence est très élevé, ça va venir contrebalancer. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un équilibre entre les deux mais tu pourrais être davantage compétent ou tu pourrais être davantage relationnel, mais ça demeure que tu dois être capable d'avoir les deux. Mmh. Évidemment, les gens me posent souvent ça. la question, « Michel, moi, je suis en affaires depuis quelques années. Je me pose la question, est-ce que je dois abandonner ou pas? » Évidemment, la première question que tu vas te demander, est-ce que tu as un marché cible qui a besoin de ton produit? Puis la deuxième chose, est-ce que tu as un avantage qui est distinctif? Et cet avantage-là distinctif, oui, savoir ton entreprise, mais en termes d'équilibre sur l'échelle de charisme, c'est justement d'avoir les deux. Mm -hmm. On utilise toujours euh, l'expression du mini wheat d'avoir un côté euh, sucré puis nutritif, mais c'est le même principe que James Clear appelle le contraste. Il donne l'exemple de la pizza. Hein? C'est bon la pizza. Hein? Pourquoi? Parce que tu croques. Dans quelque chose qui fait du bruit dans ta bouche, puis d'un autre côté, tu as la portion plus fromagée qui est plus douce. Donc, c'est d'avoir le côté punché, le côté un peu plus soft, comme on dit en anglais. Puis c'est ça que je me suis inspiré un peu par rapport à mon approche de savoir-savoir-être. Ouais. Surtout dans un concept de finance où c'est plus rationnel qu'émotionnel. Donc, je, toi, je... oui. Je trouve ça super intéressant. Puis, juste avant qu'on continue, parce que je, je, vu que j'ai la, la fenêtre d'ouverte, je veux juste dire aux gens, surtout les gens qui nous écoutent en audio, euh, si vous voulez euh, aller voir un peu euh, sur euh, Vanessa Van c'est ça? Mmh. Oui, <laughs> ok, c'est ça. Euh, Scienceofpeople.com, euh, vous allez voir les livres. Il y a, puis, y a, y a, je, je, je vois aussi qu'il y a une conférence TED et euh, toutes sortes de d'autres ouais. ressources sur son euh, sur son site je trouve ça intéressant la, la nuance que tu apportes euh, parce que évidemment puis je vais afficher d'ailleurs le commentaire de Lucie qui dit le fait d'être extraverti n'est pas toujours simple non plus ben effectivement il y a puis si c'est le discours que j'ai eu l'impression de donner euh, je, le, je le corrige c'est sûr que l'introversion vient aussi avec des belles forces au niveau sociable qui est en, qui sont entre autres en tout cas pour moi la, la qualité d'accueil, d'écoute, d'empathie, d'observation et d'analyse que souvent, des fois, quand on est extroverti, ou du moins quand je vois des gens extravertis, des fois, ils sont moins là, ils ont, ils sont, sont, ils ont, ils ont un entre-gens facile, mais ils lisent moins le non-verbal des autres euh, ou même leur, euh, leur qualité d'écoute, des fois, n'est pas toujours aussi, euh, aussi euh, présente. Fait qu'on a aussi cet équilibre-là qui peut se faire de, de façon. Euh, et comme tu l'as dit, il y a des choses aussi qu'on peut intégrer. D'être plus chaleureux, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, D'être plus à l'écoute, c'est quelque chose qui s'apprend. D'aller chercher finalement les qualités, supposons qu'on est extroverti ou introverti, les qualités de son opposé, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'intègre. Absolument. Puis moi, je pense que la différence entre un introverti et un extroverti, c'est qu'un introverti n'a pas besoin de s'exprimer oralement tout ce qui passe par la tête, par exemple. Tandis qu'un extraverti va avoir le goût de le faire. Ceci étant dit, un extraverti peut être excellent à lire le langage non verbal. Il peut être très à l'écoute, mais il va avoir plus tendance à s'exprimer davantage. Donc, d'ailleurs, Vanessa Valenwood, ce qu'elle donne comme truc, quand tu es dans une discussion avec quelqu'un, évidemment, c'est le ping-pong. Ce n'est pas nécessairement un monologue. Il faudrait qu'une interaction moyenne dure 40 secondes. Donc, je parle pendant 40 secondes, après ça, toi tu relais, puis moi je parle pendant 40 secondes, tu relais pendant 40 secondes, mais moi j'ai tendance à parler trop longtemps. <laughs> Donc, c'est ça pour avoir un bon rythme dans la discussion, c'est d'être à l'écoute. Donc, tu as tout à fait raison. Puis Et de moi, se mettre je... oui, de se mettre à on », tu parce que oui. on n'a pas. T'sais, je parle quasiment des introvertis, des extrovertis comme si c'était des, des robots. Mais. <laughs> mais euh, avec, avec des caractéristiques précises. Mais, mais même, même si moi, je, je sais que je suis capable d'avoir une belle qualité d'accueil, d'écoute, je, je peux être je peux crissement être à off parfois. Puis des fois, il faut que je me mette, à, surtout sur, supposons que je suis plus stressé, plus anxieux, comme j'ai vécu plus dans les dernières semaines, derniers mois. Il faut que je consciemment, je me dise, OK, par exemple, je m'en vais résoter. OK, je me mets à on. Je me mets ou Comme quand je fais le podcast. Je me mets définitivement à on quand je fais le podcast. Donc, euh, d'être conscient, de ses forces puis, puis de ses faiblesses nous permet aussi d'aller dans un, dans, un, dans un contexte précis, dans un mode précis. Ah, écoute, tu as, as deux trucs qui peuvent être intéressants. Euh, moi, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Mme Danielle Henkel, mais ma conjointe me racontait que quand tu rencontres cette dame-là, elle te parle comme tu serais la personne la plus importante de la planète. Okay? Tu es valorisé au fond. Donc, tu es vraiment concentré par rapport à la personne qui est devant toi. Puis le deuxième truc, c'est quoi? C'est le contact visuel. Donc évidemment, si tu passes 95% de ton temps à regarder dans les yeux l'autre personne, tu peux avoir l'air weird, mais d'avoir un bon ratio, mettons 50 à 70% du temps de le regarder dans les yeux, tu descends sur le nez le menton, ça te permet de rester dans le moment présent au lieu d'être dans ta tête, puis de regarder à gauche, puis à droite, puis de regarder ton cellulaire, c'est une notification, juste te forcer. D'avoir un contact visuel avec la personne, sa tête justement et dans le moment présent. Puis un troisième truc, si tu me le permets, mm -hmm. c'est les noms. Moi, j'adore arriver dans un contexte de réseautage puis de rappeler le nom de la personne une demi-heure plus tard. Puis l'objectif, mm -hmm. c'est que quand tu arrives pour te présenter, tu penses juste à toi. Hein? Tu es full égo. Tu veux bien paraître, etc. Mais c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'autre. Et juste le fait de répéter son nom deux à trois fois lors des trois premières minutes, ça te permet d'être connecté à l'autre personne, de ouais. dire, OK, Mathieu me fait penser à telle personne, je vais faire un lien, puis mm -hmm. je vais l'écouter, puis je vais faire ce qu'on appelle en anglais du mirroring. Donc, ce n'est pas de singer, mais d'être en synchronisation avec ton corps et de reprendre certaines phrases. C'est démontrer que ça, ça augmente ton degré d'agréabilité par rapport à l'autre mm. personne. C'est tellement un beau laboratoire, pour améliorer sa sociabilisation, que le réseautage. Euh, c est, c est, si tu y vas avec le bon mindset, on en a déjà parlé sur le show à quelques reprises, puis David, Quentin, c'est quelqu'un qui va ramener ça beaucoup. Ouais. On va, si on y va avec le bon mindset de je m'en vais là pour avoir du plaisir, je m'en vais là pour jaser avec les gens, pour enrichir mon réseau et mes relations déjà existantes plutôt que pour faire des pitches de vente puis pour vendre, oui. ben, tu, tu arrives là puis tu as une relation avec le réseautage et avec les gens complètement différentes. Et tu vas, vu que tu es vraiment à on, tu vas améliorer tes compétences de socialisation comme quasiment nulle part ailleurs. C'est un super beau laboratoire. Et sur ça, j'invite les gens à se procurer les six derniers billets qui restent pour LinkedIn Local Laval le <laughs> 31 mai prochain. J'ai checké ce matin, il en restait six. Je sais pas. Euh... Je ne sais pas s'il en reste encore six en ce moment, mais il reste six places. Fait que, il y a des chances que ce soit complet euh, d'ici là. Euh, bon, ben écoute, Michel, euh, là, on, 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 je savais que la conversation allait aller dans <laughs> plein de directions. Euh, on, va, on va revenir à notre sujet principal. Euh, tantôt, tu en parlais un peu, tu as commencé un peu à, à, à nous parler de, de c'est quoi aller au-delà du de savoir pour connaître du succès en finance. Où est-ce qu'on était rendu dans ton explication? t'en souviens-tu? <laughs> ben, c'est que ce qui arrive, c'est que quand tu appliques, mettons, la finance en termes de savoir, il y a beaucoup de relations de cause et effet. Si A arrive, B va se produire mm. et ça, c'est pensé au premier degré. Et malheureusement, à la bourse, ce n'est pas toujours ça. Des fois, il faut penser au deuxième ou troisième degré. Donc, je vais donner un exemple. Si on écoute la voix ensemble, l'émission, puis on se dit, par exemple, qui va remporter la voix? Le réflexe des gens, c'est qu'il va y aller avec le chanteur ou la chanteuse que la personne aime. Puis elle va se dire, ah, moi je trouve qu'elle est bonne, elle. elle devrait gagner la voix. Pensez au deuxième, puis au troisième degré, c'est de dire, qu'est-ce que le Québec aimerait avoir comme gagnant ou gagnante de la voix? C'est quoi les caractéristiques? Puis tu vas te mettre dans la peau, justement, du Québec moyen, par exemple, pour choisir le gagnant ou le gagnant de la voix. Donc, à la bourse. Oui, c'est important ce que tu penses, mais comment que les autres sont positionnés, ça l'est encore plus, un peu comme au poker. Donc, si on prend le contexte actuel de la bourse, les marchés boursiers ont une année plutôt difficile aux États-Unis, mais tout le monde est négatif, Mathieu. Tout le monde est négatif. On parle de risque de récession, de la crise russo ukrainienne de la hausse des taux d'intérêt. Trouve-moi quelqu'un, là, ou va sur Internet, puis trouve-moi quelqu'un qui est optimiste. Il n'y en a pas. Donc, dans ce contexte-là, c'est bon de faire l'inverse, puis moi je te dis depuis quelques temps, le marché boursier américain va rebondir violemment parce que justement, tout le monde est pessimiste. Donc de passer au deuxième puis au troisième degré, ça te permet de te sortir de tes bobettes, mais pour ça, ça prend une lecture de ton environnement et ça prend du savoir-être. Donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais c'est une façon de travailler très intéressante. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il faut réellement prendre conscience de ce concept-là pour être capable de bien l'appliquer. Parce que les humains, puis c'est un principe de, de, de survie et d'adaptabilité, on est très caméléon. Fait qu'on va s'adapter aux émotions et aux moods qui y a autour de nous parce qu'on ouais. veut faire partie du groupe, on veut faire partie de la communauté. Ce que tu ce dont tu parles, c'est d'être un peu contre-intuitif, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il y a plusieurs millions d'années, là ton objectif, c'était de passer à travers ta journée. Là. <laughs> ben oui, oui exact, exact. Tu marchais 13 km par jour en moyenne pour te nourrir. C'est carrément une vraie statistique. Ouais. Là. Donc, d'être inclus dans un groupe, c'est super important parce que c'était ta survie à l'époque. Moi, je dis toujours, si tu as envie de causer du trouble à quelqu'un, puis ce n'est pas une recommandation, mais ben on blaguait, c'est soit de l'humilier ou de le rejeter ou de l'ignorer c'est la pire insulte que tu peux mmh, pas faire mmh. à quelqu'un parce que tu enlèves son besoin d'appartenance, son besoin d'affiliation. Donc, dans un marché boursier qui a monté de 2020 à 2021, tu as ce qu'on appelle le fear of missing out, la peur de rater une occasion. Donc, tu vois ton voisin qui fait de l'argent et toi, tu n'es pas investi dans cet actif-là, tu veux faire partie du groupe, tu veux faire partie mmh. de la gang, tu investis là-dedans. Donc, c'est très dur de dire, ah, moi, je vais faire l'inverse, je vais m'exclure du groupe parce que ça sort la notion de rejet, mm -hmm. que les gens n'aiment pas ça. Donc, c'est mm -hmm. vraiment important à tenir compte. Là. Puis, il faut comprendre que physiologiquement, notre corps, fort de ces centaines de milliers d'années de, de conditionnement, réagit. Ton corps réagit physiquement comme s'il y avait encore danger de mort. Si tu es exclu oui. du groupe, etc. Le, la peur, euh, se promener le, le, le soir, la nuit, Mais même c'est ça, prendre la parole devant un groupe, notre corps réagit encore comme s'il y avait un danger. Euh, et c'est quelque chose qui nous freine énormément. Puis de, de simplement prendre conscience que, OK, c'est une réaction ancestrale préhistorique du corps qui, effectivement, pendant des centaines de milliers d'années, il y avait un risque réel de, 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 de s'inscrire en faux ou d'être mal perçu par le groupe. Euh, je trouve ça super intéressant euh, ce, que tu, ce dont tu nous parles. Écoute, il y a une couple de commentaires euh, dans la discussion, fait que je vais les afficher. Jean-François Lacasse qui dit tu es une machine à référence, Michel, une vraie bibliothèque d'inspiration et Jean-François, d'étudiants. Merci d'être là. D'ailleurs, Jean-François va donner une belle conférence pour les joyeux philanthropes le samedi le 4 juin. Très hâte de te retrouver là, Jean-François. Merci beaucoup. Excellent. Là. Écoute, Jean-François, mets le lien dans la discussion sur LinkedIn si tu veux, comme ça, les gens vont pouvoir aller jeter un œil. Puis tu as tellement raison. Avant qu'on qu soit en direct, je prenais des. Je parce que vous avez remarqué que j'ouvre une nouvelle fenêtre avec, euh, avec des, 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 des références souvent. Puis justement, avant même que l'édition commence, on, on parlait de l'antifragilité. Puis tu m'as parlé euh, du livre de, de Nassim Nicolas Taleb. Ouais. Euh, et donc, je l'ai ouvert justement en me disant Bon, peut-être que ça va être euh, une, une référence. <laughs> euh, à, dont on peut parler d'ailleurs, on pourrait peut-être l'aborder, le, le, le principe d'antifragilité, parce que ça rentre un petit peu dans, dans ce dont on parle. C'est quoi pour toi, peux-tu nous l'expliquer un peu, euh, ta conception du, euh, de, de la théorie? Bien, je te parlais aussi du livre de Comfort Crisis, euh, je pense que c'est Michael Easter, c'est que le point, c'est que depuis les années 80-90, il y a eu un gros mouvement sur l'estime de soi, surtout chez les jeunes. On valorise les jeunes en leur disant T'es bon, t'es intelligent, t'es beau, lâche pas. Puis on surprotège, dans le fond, nos enfants parce qu'on veut le meilleur pour eux autres. C'est tout à fait normal comme parents. Mais dans notre société d'aujourd'hui, on est beaucoup dans la gratification immédiate. Mathieu, si on a faim, là, on, on prend le téléphone cellulaire puis on commande Uber Eats. Si on s'ennuie, on s'en va sur Facebook ou on peut se louer quelque chose gratuitement sur Netflix. Donc, on est dans une situation qu'on a accès à un paquet de, de services ou de produits en clignant les doigts. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on n'est plus capable de vivre dans un contexte d'inconfort. Donc, le comfort crisis, c'est vraiment de passer plusieurs heures sans manger, de faire des activités sportives qui sont plus éreintantes, de vivre des épreuves. Donc, le concept d'antifragile, c'est qu'au lieu d'être vraiment très, très prévoyant tout le temps, en termes d'assurance, puis de dire, garde, quand tu vas faire du vélo, mets-toi un casque, deux, trois, quatre pattes, puis roule pas trop vite avec un drapeau orange, puis un klaxon. C'est d'apprendre de dire, garde, là, la vie, là, elle va te lancer des balcons, puis oui, tu vas tomber, puis oui, tu vas apprendre. Puis, il faut être, dans le fond, antifragile pour permettre d'être résilient et de survivre à ça. Donc, c'est un peu ça le concept d'antifragilité, de, de et c'est ça qui va te permettre de perdurer à travers le temps. Et c'est la même chose comme entrepreneur ou une organisation. Parce qu'à court terme, tout le monde peut avoir du succès à cause d'un bon timing, d'une thématique que les gens qu'on parle, la COVID-19, etc. Mais tu vas-tu être là dans 5 ans, 10 ans? Ça, c'est un, un autre enjeu. Donc, d'être antifragile, ça va te permettre d'avoir l'état d'esprit, justement, pour traverser les hauts et les bas que tu vas vivre, que tu sois parent, entrepreneur ou époux, conjoint. Tu as besoin de ça. Donc, ça, c'est un concept de. Nicolas Nassim Taleb qui est comme un genre de mathématicien, trader, philosophe, qui, qui est très bon, qui écrit d'ailleurs beaucoup sur la chance. Et je vais terminer avec ça aussi avec le Black Swan, qui est le signe noir. Le signe noir, Mathieu, c'est un événement euh, pour lequel nous n'avons aucun contrôle, qui est imprévisible. Donc, les impacts sont majeurs. Donc, crise sanitaire, à du 11 septembre. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se préparer à vivre ce genre d'événement-là. Ça fait partie de la vie. Donc, on a des événements ou des tuiles qui nous tombent sur la tête. Donc imagine-toi un commerçant qui achète un café en février 2020. C'est une méchante tuile qui tombe sur sa tête. Là. Donc, euh, oh, on a une petite sonnerie ici qui... Peut-être <laughs> que je parle trop, hein, j'ai dépassé la secondes. Oui, quoi, bon, ça, c est... C est ça, non, c'est Amazon. Euh, mais il va, il va laisser. Puis, c'est ça. Je n'ai pas besoin de répondre. <laughs> euh, mais mais c'est intéressant ce que tu dis parce que le... je suis tellement content d'avoir eu une... Passé à travers une belle thérapie il y a 6-7 ans parce que je, je, ça, ça a bâti, ça a conforté ma résilience, entre autres pour passer au travers de. Euh, ben D'abord de l'élection de Trump, qui a été quelque chose d'anxiogène euh, à l'époque euh, avec tous les mouvements que ça a amené, là, les mouvements d'extrême droite puis tout ça. Ensuite, la, la, la pandémie. Euh, de tout puis de, de réussir puis qui a brassé énormément ma business là, la, la pandémie ça a, été, ça a été rare mais malgré tout c'est ça on en parlait un petit peu avant le show puis parce que j'ai vu une vidéo sur l'antifragilité j'ai mis le lien d'ailleurs dans, dans LinkedIn si jamais vous êtes curieux euh, je me suis reconnu là dedans où justement même s'il y a des trucs qui vont pas bien je reste heureux puis je parlais de ça avec les gens des fois je, je voyais des réactions un peu heureux, hein? mais oui même, même si je, oui je vis du stress oui je vis des émotions qui sont des fois pas évidentes mais je reste grandé, heureux et aussi à l'aise dans les choix de vie que j'ai fait parce que je construis la vie que je veux. Même si ça ne va pas toujours bien, même si le niveau financier n'est pas là où je voudrais, le, le nombre de, de, de clients, je suis heureux. Puis c'est beaucoup, je me suis beaucoup reconnu dans ce, dans ce principe-là. J'ai aussi mis le lien vers le, lien, le livre de Comfort Crisis dans LinkedIn. Et euh, il reste l'autre référence, la dame dont tu nous parlais, que je vais aussi mettre le lien <laughs> dans, dans LinkedIn aussitôt que je le ressors. Euh, Michel, on, on a parlé de plein de beaux sujets. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé qui serait pertinent de mentionner avant de terminer le show? Je pense que c'est de ralentir le rythme de façon générale, mais surtout au niveau de la prise de décision. Combien de décisions qu'on prend, Mathieu, sur le coût, sur l'intuition, sur le moment, etc. Puis oui, c'est payant, ce genre de décision-là, mais ça peut être très malsain, surtout quand il est question d'argent. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'utiliser ce qu'on appelle la pensée réflexive. C'est de prendre une certaine distance, un certain recul. Et là, ça m'amène à te parler de la. La fameuse phrase, la nuit porte conseil. Donc, tout le monde sait ça. Hein? Donc, évidemment, Daniel Kahneman, qui est un psychologue et lauréat du prix Nobel économie très réputé, s'est démontré avec un principe qui s'appelle The Wisdom of Crowds. The Wisdom of Crowds, c'est la sagesse des foules. Donc, si tu as à demander, mettons, une opinion par rapport à quelque chose, tu vas le demander à 1000 personnes et tu vas prendre la moyenne de ça. Ça va donner un meilleur résultat que si tu demandes à un expert, par exemple. OK? Donc, ce que j'invite les gens à faire, c'est faire votre propre moyenne de jugement. Donc, par exemple, si tu as le goût de faire un investissement pour partir une entreprise ou tu as le goût de sortir avec une nouvelle fille ou un nouveau garçon, par exemple, au lieu d'y aller sur le coup de l'impulsion puis de l'émotion, prends ta décision, mettons, aujourd'hui, marque marque-la dans un endroit, refais le même exercice dans deux jours, refais le même exercice dans une semaine il fait la moyenne de tes résultats parce qu'à chaque jour tu es influencé par rapport à ton humeur du moment. Et ça c'est important parce que si aujourd'hui je suis vraiment hyper et excité, je prendrais pas la même décision que si j'étais un peu plus euh, maussade par exemple. Donc faire une moyenne de tes propres résultats à travers le temps va te donner un résultat qui est juste et ça fonctionne. Donc souvent j'ai tendance à dire oui trop rapidement pour certaines invitations. Je vais dire, oh, oui, ça me le tente. Plus ça arrive six mois plus tard. Oh, finalement, là, pourquoi j'ai dit oui? Parce que sur le coup du moment, je l'ai dit trop vite. Donc, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui vous attire, puis vous n'avez pas le choix de dire oui, prenez un certain temps. Dites à la personne, écoute, tu me donnerais-tu dix jours pour que je pense et faites l'exercice sur cette période de temps-là. Faites la moyenne. Vous allez voir, ça va donner un meilleur résultat que de répondre sur le coup. C'est d'une grande sagesse. On... <laughs> On, on agit effectivement beaucoup sur le, le coup de l'impulsivité, de la spontanéité, puis ben on ne veut pas déplaire. Ouais. On veut faire partie du groupe, encore une fois. Fait qu'on a tendance à, à dire oui plus facilement qu'à dire non. Le non est challengeant, autant à dire qu'à recevoir. <laughs> euh, je serais curieux, de. de, de tu, voulais, tu, tu me disais que tu voulais faire tirer cinq de tes livres. Peux-tu oui. nous présenter un peu ton, ton livre euh, Yes. Donc, ça s'appelle face, combiner raison et émotion pour réussir en bourse. Le livre est paru en 2019. C'est un projet avec Desjardins Courtage en ligne, qui est une firme d'investissement pour les gens qui gèrent leur placement. Donc, ça parle de savoir et de savoir-être. C'est fait pour tout le monde qui a un intérêt pour la bourse. Évidemment, on peut faire des parallèles pour le monde de l'entrepreneuriat autour de personnel. Donc, je suis prêt à vous donner cinq copies. Donc, Mathieu, pour le tirage. C'est à ta guise, là. Ben, euh, cinq copies de mon livre. Moi, j'ai besoin, dans le fond, d'une adresse civique des gagnants-gagnants euh, et j'envoie le tout par la poste euh, dédicacé en plus. <laughs> Ce que je vous propose, si vous voulez, gagner le livre de Michel, c'est d'écrire sur LinkedIn, Facebook ou même de m'envoyer un message privé. Euh, écrivez quel est. Qu votre euh, règle numéro un pour nourrir et cultiver votre bonheur, on parle de, de comment être heureux, puis j'aimerais ça entendre les gens là-dessus, sur ce sujet-là. Faites, faites juste partager un truc qui fait en sorte que vous... Ça vous... Ça, ça contribue à votre bonheur, un petit truc quotidien, quelque chose comme ça. Euh, écrivez ça n'importe où. Puis les cinq premiers qui m'écrivent ça, soit sur LinkedIn, Facebook ou en message privé, euh, je vais, on va vous faire parvenir un livre de, de Michel Villa. Euh, Michel, merci pour cette super belle discussion. Avec plaisir, euh, merci Mathieu. Merci aux on, gens d'avoir été là. Très intéressant. On a abordé plein de sujets. C'est fascinant parce que, comme je disais, hier j'ai parlé d'argent. Aujourd'hui, je parlais de finances avec toi. Et ça a été, dans les deux cas, deux des plus belles conversations que j'ai eues oh, wow. depuis longtemps sur un plan profondément humain. Moi qui pensais dans mon petit cerveau rationnel de dire, ouf, parler d'argent, parler de finances. » Mais finalement, on a eu des. Ça a tellement été une belle discussion. J'ai déjà hâte de te reparler à nouveau. Ça pourrait être vraiment très cool de faire une suite à cet épisode-là éventuellement. Bien, d'ailleurs, j'ai pris ta formation. J'ai hâte de la suivre là, au mois de juillet. Oui. Sur oui. euh, les histoires. Donc, j'ai très hâte d'y participer. Puis bravo encore à ton initiative. Merci. D'ailleurs, euh, ben, euh, vu que tu le mentionnes, je vais tout de suite en parler. J'ai effectivement une formation qui s'en vient pour aider à mieux raconter votre histoire, mieux faire une présentation d'affaires. Et euh, là, j'ouvre mon site Web. J'ai deux dates qui s'en viennent. J'en ai une en, le 10 juin et l'autre euh, qui est en juillet, effectivement. C'est. <laughs> Je, je, je l'ouvre en, en direct. 22 juillet, 10 juin ouais. et 22 juillet, vous pouvez aller voir sur mathieuchevalier.com/oblique formation pour avoir plus d'infos. Et euh, si vous êtes curieux de voir ce que je fais en vidéo, ben je, je produis des portraits vidéo qui aident à accueillir vos clients potentiels, leur donner le goût de faire affaire avec vous en présentant vos services sous un angle empathique et bienveillant. Puis pour voir ce que je fais, c'est sur mathieuchevalier.com/oblique. Vidéo de présentation. Euh, vous allez pouvoir voir un peu, j'ai mon portfolio là-dessus. Euh, et d'ailleurs, Michel, pour se connecter avec toi, ben, il y a LinkedIn. Là, est-ce que je partage ma fenêtre? Oui, OK, je n'étais pas sûr si je partageais la fenêtre. Euh, donc, on peut, on peut se connecter à toi sur LinkedIn, mais il y a aussi évidemment ton site web, michelvilla2la.com. Qu'est-ce qu'on retrouve, Michel, sur ton site web? Bien, évidemment, c'est mes articles de blog. Je ne suis pas très, très rayonnant sur mon site Web. Il y a pas mal de barres, je vais leur travailler. Mais je suis aussi, aussi sur Facebook. Puis euh, j'écris aussi régulièrement sur le groupe Day Trading euh, Québec pour faire des articles plus la bourse. Mais, puis moi, j'ai beaucoup de partenariats avec des institutions financières, dont des jardins comptage en ligne. J'ai un produit tout à fait gratuit qui s'appelle Café sans filtre. C'est trois capsules entre deux et quatre minutes par semaine sur des sujets de la bourse. Temps, au niveau du savoir, du savoir-être. D'ailleurs, je suis rendu à ma 282e capsule. Donc, wow. j'adore faire ça. Wow. Puis, euh, écoute, on se donne un rendez-vous, gang. Moi, je suis inscrit pour le 22 juillet à ta formation, Mathieu. Donc, euh, en espérant croiser vrai. les gens qui étaient là sur l'ordre dîner. Si, si jamais ça vous tente de, 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 de piquer un brin de jasette avec Michel, ça va être possible à ce oui, moment-là. Michel, je te remercie énormément pour Mais ta merci grande à générosité. Ça a été, euh, comme je te dis, ça a été une discussion qui fait du bien à l'âme. Puis, j'en... Euh, J'en prends des conversations comme ça. De, <laughs> je trouve ça le fun. Je te disais d'entrée de jeu que le podcast est ma pilule de bonheur de la semaine. Ouais. Puis euh, tu, tu, tu l'as amené à la puissance 10. Tu as été au-delà ouais. de la barre que j'ai mise en, en intro. il <laughs> trop gentil. Hey, la gestion des attentes, c'est important, ça. Hein? On l'a dit, c'est la clé. Tu parlais tantôt, la clé du bonheur, c'est mmh. d'avoir zéro attente. Mmh. Tu arrives à une soirée et tu te dis, ça va être plate. Ben, Puis reste ouvert à ce qui peut arriver, tu vas être heureux. <laughs> ouais. Donc, la gestion des attentes dans la vie, c'est très, très, très ouais. important. Hey, merci je, tout le monde. Merci Mathieu pour l'excellence. D'avoir des, des attentes qui sont raisonnables, ouais. euh, qui, sont, qui sont positives, mais pas nécessairement euh, euh, irréalistes. Tu sais, comme tu disais, je veux courir 47 km pour mes 47 ans. Si tu commences à courir, maintenant que tu n'as jamais couru de ta vie, ce n'est peut-être pas le meilleur objectif. Mais si tu dis, ah, hey, c'est cette année que je me remets en forme pour commencer à courir, pour que l'année prochaine ou dans deux ans, je sois capable de faire un marathon, tu sais, c'est d'avoir des attentes qui sont euh, atteignables, finalement. Euh... Ben, écoute, si tu me permets une dernière anecdote très rapide, <laughs> est-ce que tu suis la NBA, le basketball? Non, pas du tout. OK, alors, le basketball, évidemment, là, la manière que ça fonctionne, c'est que tu as des... des euh, c'est découpé en corps qu'on appelle. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont démontré qu'une équipe qui tirait de l'arrière a mis partie de un point, on se posait la question est-ce que l'équipe a plus de chances de gagner ou de perdre? Mm. Donc, évidemment, tu te dis, bien là, l'équipe partir de l'arrière d'un point, elle devrait perdre plus souvent qu'elle gagne. Mais c'est démontré qu'une équipe a plus de chances de gagner. Pourquoi? Parce qu'elle est proche de son objectif. OK? Donc, ce qui est important, c'est que si tu te vises le défi de courir 47 km à tes 47 ans, Pense pas à cet objectif-là parce que c'est trop gros, trop loin. Donc, on dit toujours de découper les objectifs mmh. à quelque chose d'atteignable. Mais le but, c'est qu'il faut tellement que ça soit petit, que tu sois capable d'avoir des victoires. Puis à un moment donné, tu augmentes ça, juste rendre ça un peu plus difficile, juste pour que tu ailles te le dépasser, un peu comme l'équipe de basketball qui tire l'arrière par un point. Donc, les équipes de basketball qui tirent l'arrière mettons, de 7, 8, 10 points, oublie ça, là, ils ne revenaient pas de l'arrière parce que c'était trop à rattraper. Et c'est la même chose. Si tu mets un objectif qui est trop grand, si au début, tu n'es pas sa coche puis tu n'es pas rigoureux, étant donné que tu vas être trop loin de ton objectif, tu vas abandonner. Mm -hmm. Et ça, c'est l'erreur que les gens font. Mm -hmm. ben oui. Les gens sont trop excités. C'est un piège iréalisé. dans lequel il est facile de tomber. C'est ça. Hey, mais Michel, je constate qu'on pourrait continuer à discussion longtemps. <laughs> hey, je m'aboucle, je m'affirme. Non. non, mais c'est moi qui ai ouvert la porte de toute façon. Merci pour tes belles paroles de sagesse et euh, au plaisir de, de se reprendre. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés. À la Merci, bye.